Actualité régionale en prison, à présent, deuxième région, les travaux du Forum national de présentation du projet santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant au Mali ont débuté mardi à Koulikoro. Ce nouveau projet d'une durée de 3 ans est initié par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne pour une enveloppe financière de 3 500 000 $ du gouvernement canadien. Le projet couvrira les régions de Koulikoro et de Sikasso. Le compte-rendu depuis Koulikoro de Koumba Cissé. Ce projet initié par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne sur financement du gouvernement canadien à hauteur de 3 500 000 $ couvre les régions de Koulikoro et Sikasso. D'une durée de 3 ans, ce nouveau projet s'inscrit en droite ligne de la feuille de route élaborée par le ministère de la Santé avec ses partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Tant que la maman est en bonne santé, donc toute la famille va bien et c'est la maladie au niveau de la mère et des nouveau-nés des enfants, c'est une préoccupation de tout le ménage. Ce projet touchera 150 037 enfants de 0 à 5 ans, 197 580 femmes en âge de procréer, 130 agents du ministère de la Santé dans les centres de santé de référence et les centres secondaires, 224 agents de santé communautaire et 1120 volontaires de la Croix-Rouge malienne. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont organisé en mars 2009 un forum sur la santé communautaire qui a jeté les bases du document des soins essentiels dans la communauté. Continuité de la stratégie nationale de survie de l'enfant dans les ménages et communautés. Notons que la Croix-Rouge malienne, auxiliaire des pouvoirs publics et organismes de bienfaisance, s'inscrit au quotidien à travers l'ensemble du territoire malien pour assister les populations les plus vulnérables. Ces interventions sont multiformes, ciblées dans divers secteurs tels que la santé, la nutrition, l'eau, hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire.